Salut à tous, c'est Romain. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où on va voir ensemble le premier blocage en karaté. Le blocage s'appelle Gelen Barai. Donc c'est le blocage que l'on retrouvera notamment pour apprendre le premier kata, Teikyoku Shodan ou Eien Shodan ou d'autres katas si vous êtes sur un style différent de karaté. Donc on se retrouve de l'autre côté, c'est parti. Bien, donc on se souvient comment on ferme ses poings. Donc je viens fermer mes poings. Et je viens me mettre en position d'attente, en position yoi devant moi. Je vais venir avec mon poing gauche armé à mon oreille droite. Donc, le poing va venir au niveau de l'oreille, d'accord? La paume de main vers mon oreille, pas dans l'autre sens. La paume de main vers l'oreille. Une fois que j'ai fait ça, je viens retendre mon bras devant moi. Je fais la même chose avec mon poing droit. Il vient à hauteur de l'oreille, la paume de main vers mon oreille. Et je ramène mon bras devant moi. La même chose avec la main gauche, je ramène devant. La main droite, je ramène devant. La main gauche, je tends mon bras devant. La main droite, je tends mon bras devant. Très bien, donc on passe maintenant à la deuxième étape de notre blocage Gelen Barai. J'ai mes deux poings fermés en yoi devant moi. Comme tout à l'heure, la main gauche va venir à l'oreille droite, donc je viens bien croiser. Maintenant, je vais tendre mon bras devant moi, et en même temps que je vais tendre mon bras devant, le poing qui est resté tendu vers le bas va venir à la ceinture. Très bien. La main qui est à la ceinture, elle va aller à l'oreille opposée, toujours la paume de main vers l'oreille. Je tends mon bras devant, et je viens tirer l'autre poing à ma ceinture. La main qui est à la ceinture, elle vient à l'oreille. Je tends et je tire l'autre bras. La main qui est collée à ma ceinture, elle vient à l'oreille opposée et je tire. Je ramène ma main à l'oreille opposée et je tire. Maintenant, on peut essayer de le faire un petit peu plus vite. J'arme à l'oreille, je bloque. J'arme à l'oreille, je bloque. J'arme à l'oreille, je bloque. Très bien, donc nous venons de voir de façon décomposée comment faire le blocage Gelen Barai. D'accord ? Maintenant, pour ceux qui sont un petit peu plus gradés, n'oubliez pas que les blocages, ou en tout cas pas tous, mais la majorité des blocages en karaté, se font de profil. Donc il ne faut pas rester avec les épaules de face rigides, mais à l'inverse, bien tirer l'épaule opposée pour être de profil. Donc nous sommes en yoi. J'arme à mon oreille et je viens tirer. J'arme à l'oreille et je viens tirer. J'arme à l'oreille et je vais venir tirer l'épaule opposée. Je ne suis pas de face, je suis légèrement de profil. On arme, on tire. On arme, on tire. J'arme à l'oreille, je bloque. J'arme à l'oreille, je bloque. J'arme. Donc ça, c'est la façon de faire le Gelen Barai, on va dire un petit peu plus avancé pour les enfants, les débutants. Effectivement, on reste déjà avec les épaules un peu plus droites, les hanches un peu plus droites. Et avec le temps et la pratique, vous commencerez à mettre en place le travail de hanche sur les ouvertures et les fermetures de hanches. Voilà, on vient de voir le blocage Gelen Barai. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce sur le bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt !